Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans la concession de Montlhéry, de Triomphe. Et je suis avec Laurent. Salut Laurent, ça va? Salut Eric. Et tu m'as invité à venir pour découvrir cette petite merveille qui se trouve juste nous. Attends, je me pousse. La Tiger, Tiger 1200. Si c'est pas beau ça. Ouais. Hein? Elle est magnifique. Hein. Alors sur ta chaîne en général, t'es un petit peu critique. Et je te cache pas que je trouve ça vachement bien parce que c'est vrai que bon, des fois, quand tu fais trop le vendeur, tu vois, je trouve pas ça cool. Non. Et en fait, je trouve ça bien d'expliquer aux gens vraiment ce qui est bon pour eux, ce qui ne l'est pas, et pas leur raconter n'importe quoi parce qu'après, ils sont déçus et ils reviennent pas forcément. Et c'est ce que tu fais sur ta chaîne et je voulais t'en féliciter d'emblée. Mais là, bon, quand même, je vais te laisser faire un peu le commercial. Ouais, ok. D'accord. Allez, on va le faire. Par contre, tu me fais pas un discours de marketing à mort avec le fabuleux moteur et le machin. On va essayer. Ça, hein. Non, on va faire un truc cool. On va faire une présentation générale, un peu présentation de la moto et de ses nouveautés surtout de cette année. Okay. Alors vas-y, raconte-moi un petit peu. Bon, il y a deux déclinaisons déjà. On va commencer par la version Rally Explorer, donc c'est celle-ci. Alors pourquoi Explorer? Alors, c'est un nom qui était déjà connu avant, mais Explorer, c'est parce que c'est un réservoir de 30 litres de capacité au niveau du réservoir de carburant. Donc c'est la première fois dans la gamme Tiger 1200 que tu peux avoir un réservoir de cette grande contenance. Alors, on va parler un peu marketing quand même. Du coup, avec 30 litres de contenance, tu vas quand même faire 600 bornes sur le papier en tout cas. Bon, ça commence à être pas mal. Ah ouais, bah là, tu peux partir vraiment assez loin, effectivement. Donc là, ça va te permettre de faire des gros road trips et même aller un peu plus loin sur les chemins un peu de off-road. Hein. Donc, j'aime bien les Pampa Twin. Hein. Donc, bon, là, c'est un Pampa de 3 cylindres, on va dire, mais ouais. Tu vas pouvoir aller dans les chemins aussi avec ce genre de machine. Bon, alors, quoi d'autre? Bon, on commence par le train avant. Ouais. Donc là, tu as une jante de 21. Donc là, c'est bien pour le franchissement et tu as des jantes à rayons aussi. Tubeless, ouais. J'insiste, donc c'est du tubeless, donc c'est bien, tu n'as pas de chambre à air là-dessus, donc ça c'est cool. Système de freinage du Brembo Stilema, bon, ils se foutent pas de nous, hein, ça là-dessus, c'est toujours le top du top. Hein. Ça va freiner, normalement ça va freiner. Ouais, ça freine assez bien, ouais, surtout qu'ils ont mis un nouveau mètre-cylindre, ouais. Donc c'est du Magura, donc ça c'est une nouveauté aussi, mais ça freine, ça a l'air de plutôt bien passer. Et ensuite, au niveau de la fourche à l'avant, on a du Showa, donc avec là sur cette version 220 mm de débattement. Et donc 49 de diamètre au niveau de la fourche. Voilà, donc c'est une grosse fourche bien costaud en tout cas. C'est une belle machine. Ouais, clairement. Surtout en vert kaki comme ça avec le cadre blanc, franchement, ouais. C'est uniquement sur cette version-là d'ailleurs. Tu montes dessus pour voir? Ouais. Non, mais ça va être assez drôle. Non, est-ce qu'on a le droit de dire combien tu mesures là? Je mesure 1m70 pile. Ah bah, okay. Non, mais c'est important. Voilà, c'est important. 1m70, voilà. Ça me rappelle quelqu'un ça. C'est ça. Ouais. Bon, une certaine Maya. Ah, Maya Kavu, bonjour à elle. Du coup, moi, j'utilise la méthode du cheval, je mets le pied gauche sur le repose-pied gauche, je chevauche comme ça et je me mets comme ça, je la relève. Alors, tout de suite, ce qui me choque un peu, c'est le poids. C'est en fait, elle a perdu 25 kg la meule et vraiment, je t'assure que l'ancienne Tiger, la 1200 XCA, qui était l'équivalence de celle-ci, c'était une enclume vraiment à soulever. Et là, franchement, tu vois, je l'ai relevé, je l'ai mis sur le point d'équilibre, j'ai aucun problème. Alors, tu vois, par contre, côté gauche, c'est un peu limite, tu vois, j'ai un pied. Tu vois, bon là c'est pas la tenue de motarde, hein, mais tu vois, j'ai un pied avec à moitié dessus, à moitié dessous, tu vois, ça dépend comment je suis, mais là je suis vraiment au point d'équilibre et j'ai une fesse qui est sortie au niveau côté gauche. Bon, en tout cas, t'as des belles pompes. Voilà, ça, c'est clair. Voilà. Tu m'as dit de faire un commercial de base, écoute. Voilà. Plus sérieusement, de toute façon, même si pour les petits comme moi, il y a une selle basse qui existe en option, tu peux gagner 2 cm dessus, donc ça te rapporte la hauteur de selle de celle-ci, en tout cas de 875 à 855 mm. Ce qui est vraiment super accessible pour nos gabarits. Après, 1m65 et en dessous, ça va être quand même tendu. Mais à partir d'1m70 et plus, il n'y aura vraiment aucun problème. Sachant que la hauteur de selle peut aussi se modifier avec deux petites barres sous la selle. On peut moduler de 2 cm aussi à la hausse. Donc pour les très très grands, aussi on peut augmenter. Alors là, pour le coup, toi, je veux bien te croire là-dessus. Ouais. Non, parce qu'on a déjà roulé un petit peu tous les deux. C'est ça. Et je sais que tu ne me raconterais pas de bêtises. Non, là-dessus, c'est clair. C'est joli. En tout cas, elle est belle. Ouais, elle est vraiment, belle. Bon alors, est-ce qu'on peut parler un peu moteur? Ouais, moteur. Je reste dessus du coup, je te montre. Non, bah, comme tu veux. Bon, allez, tu je peux faire sentir, je me sens plus à l'aise à côté. Au niveau du bloc moteur, on retrouve un 3 cylindres, forcément, on est chez Triumph. Ouais. Alors la grosse nouveauté, c'est qu'ils reprennent le principe du Tiger 900 avec un calage T-plane. Alors c'est chez nous, ça s'appelle comme ça, comme le crossplane de chez Yam. Mais là, c'est du T-plane, c'est-à-dire que tu as un ordre d'allumage des cylindres qui est de 1-3-2 avec le calage des manetons de vilebrequin qui sont calés à 270, 180 et 180. Et donc du coup, ça donne vachement de couple à bas régime. Et en fait, tu as une sonorité qui ressemble à un peu à un bicylindre aussi, et assez rauque en fait. Et donc du coup, tu as vachement de couple moteur en bas. Je te parle quand même des caractéristiques techniques. Donc là, ça fait 150 chevaux quand même. Ouais. 130 Nm de couple. Donc tu as vraiment beaucoup. Ouais. Et du coup, tu as 7000 tours minute pour le couple, pour les 130 Nm. Et les 150 chevaux sont atteints à 9000 tours minute. Donc ça reste vraiment, vraiment dans des mi-régimes quand même. Aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'ils ont vraiment confiance dans la fiabilité du bloc moteur. Parce que du coup, la garantie pour la première fois de la gamme Triumph, ça passe à 3 ans.
Donc la meule en elle-même, elle est garantie 3 ans, elle bloque moteur aussi. Les intervalles d'entretien, c'est tous les 16 000 km. Donc voilà, tu peux vraiment rouler longtemps et tu es sûr d'avoir une fiabilité vraiment au top là-dessus. Ils ont vraiment, ça fait 4 ans qu'ils bossent dessus, les ingénieurs chez Triumph, donc ils ont vraiment confiance. Hein. Bon, on sait très bien qu'elle veut attaquer la reine, l'ABM, hein, la BMGS. Hein. Donc voilà. Donc là, sur cette version-là, je vois par exemple des beaux petits pièges à loup avec un petit peu de gomme quand même dessus. Quoi. Exactement. Donc là, bah, tu peux, quand tu es en off-road, du coup, tu peux tourner la molette ici. Alors, je te montre comme ça. Alors, voilà, tu les mets comme ça. Quand tu es en off-road, du coup, tu poses ton pied là. Et du coup, quand tu es sur la meule, bah, tu peux appuyer simplement dessus et avoir une bonne pression sur, sur la pédale de frein. Vas-y, remets-le, normal. Ouais, comme ça. Alors, je te montre. je galère un peu. Ça, c'est l'effet Bonaldi. Voilà, c'est bon. Et là, tu le remets en bas. D'accord. Sinon, tu as ton pied qui est comme ça, tu sais, en bas. Mais quand tu es en off-road, c'est pas bon. Et donc, oui. Voilà. Donc, ça, c'est très bon, ça. Voilà, ils ont pensé aussi sur la Tiger 900. Tu vois, tu reprends. Ils pensent vraiment à l'usage de la machine, vraiment pour faire du chemin. Ça peut faire de la route, bien entendu. Hein. Parce que c'est quand même important de rappeler que bon, il y a une grosse concurrence avec une BM notamment. Ouais. Il y a du cardan. Cardan, ouais. Déjà, super bras oscillon. C'est là. Ça. C'était un mono sur l'ancienne génération, mais là, c'est un double bras, mais en tri-link. Donc, tu vois, tu as trois parties distinctes, tu vois, une, deux, trois, ouais. Avec ton cardan qui passe là, bien entendu. Et t'as un petit garde-boue en plus qui est fait là. Donc, entretien, bah pareil, t'en as pas. Au niveau du cardan, tu dois juste vidanger tous les 32 000 et c'est tout. Et t'as pas d'entretien comme sur une chaîne, quoi. Est-ce qu'on a tout vu sur celle-là? À peu près, ouais. À peu près. On a vu les grandes lignes, ouais. De toute façon, on peut voir après sur les autres et puis compléter. C'est ça. On peut passer à 1200 GT Pro. Donc là, c'est la version de 20 litres de contenance. Donc elle est un petit peu moins épaisse au niveau du réservoir. C'est donc, vrai. Voilà. Attends, je vais regarder ça. Tu vois, c'est quand même un peu plus facile en termes de gabarit peut-être. Sur l'autre pour montrer à quel point c'est différent. C'est vrai que là, c'est super large. C'est ça. Et que là, beaucoup moins. C'est moins large. T'as vu les effets spéciaux ou pas? C'est ça. Non mais attends, j'essaie de me remettre dans la caméra. Non mais c'est important les effets spéciaux quand même. C'est ça. Après, tu retrouves toujours pareil. T'as la bulle qui est réglable alors manuellement. Ça, c'était un petit reproche, mais franchement, pour l'utilisation qu'on en fait, tu pousses, voilà, tout simplement dessus. Wow. C'est super simple. Tu vois, le but du jeu, c'est vraiment de régler ta bulle en fonction de ce que tu veux. Et il n'y a même pas un truc à enclencher. Rien du tout, rien regarde. Du tout. Tu montes. Je te fais un doigt là. Tu vois, là vraiment, c'est super simple. Non, mais c'est parce que toi, t'es super fort. Ouais, tu vois, j'ai un doigt très fort. Et puis voilà, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Bah, les suspensions, on n'en a pas trop parlé, mais c'est du Showa à l'avant, à l'arrière. Elles sont toutes pilotées. Donc tu vois, tu as même la gestion. T'as la petite cartouche ici de l'arrière qui est mise à l'arrière de la boucle arrière. Absolument. La boucle arrière, justement, ils ont perdu vachement de poids et puis les repose-pieds sont boulonnés à l'arrière. C'est-à-dire qu'avant, quand tu faisais du chemin avec ce genre de moto, si tu tombais, les repose-pieds arrière, ils étaient soudés au cadre. Donc si tu tordais le repose-pied arrière, tu devais changer le cadre de ta meule. Ouais. Donc tu vois, ils ont pensé même à ça. Si tu l'as fait tomber, tu vois, déjà, c'est. Ouais. Et puis tu peux les enlever assez facilement, en tout cas. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Bon, et alors, on l'a en rouge? Alors, ça, c'est la Tiger 900. Ah, tu vois, tu t'es fait avoir. Ça, c'est la petite sœur. Eh, la loose. Tu ça, vois c'est ce qui s'appelle la grosse loose. C'est la toute petite. C'est la loose. Non, mais vraiment, les gabarits sont devenus très similaires. Il y a quand même la face avant qui est différente et les contenances de réservoir, bien sûr. Mais vraiment, la filiation, tu vois, les Tiger 900 Rally et GT Pro. Donc, tu as les versions Pro et normales. Et là, tu as les versions GT Pro pour celle-ci, pour les 20 litres de contenance. Les GT Explorer pour les 30 litres de contenance. Et les Rally normales, donc en 20 litres. Et l'autre Rally Explorer pour les 30 litres. Voilà. À chaque fois, tu as Explorer pour version 30 litres et Pro pour version 20 litres. On a le droit de parler des trucs qui fâchent ou pas? Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler du prix? Bah, alors ça commence à partir de 20 900 euros sur la version GT Pro qui est ici. D'accord. Après, tu as des coloris qui sont en supplément, donc la blanche, c'est le coloris de base. Sinon, tu as du noir et du bleu et c'est 200 ou 300 euros de plus en fonction du coloris choisi. Et là, donc c'est 1000 euros de plus la version équivalente. Donc une Rally Pro, c'est 1000 euros de plus, c'est 21 900 euros. D'accord. Et toi qui es vachement balèze, tu connais tout ce qui est entretien et tout ça? Bah, les prix des entretiens? Ouais. Franchement, je préfère t'inviter à aller voir le petit poster qui est juste à côté de nous. C'est peut-être plus clair. Il est où le poster? Juste là, c'est très clair chez nous. Je te montre. Tu vois, les intervalles d'entretien sont ici. Tu as la Tiger 1200 qui est ici. Donc, première révision à 800 km à 229 euros. À 16 000, c'est 329. Et 32 000 km, 849 euros. Donc déjà, tu sais à quoi t'attendre en termes de tarification, sachant que c'est une fois par an ou tous les 16 000. Alors, ça douille, mais en même temps, bon, c'est un 3 cylindres, 1200 cm tube. Ouais. Bon, l'entretien, c'est pas jamais donné sur les grosses cylindres. Certes, mais bon, après, quand tu fais le coût kilométrique, franchement, ça te revient pas cher. Ça te coûte pas beaucoup plus cher à rouler qu'une plus petite cylindrée, finalement. Donc, tu vois, là tu fais ton marketing de base. Ouais, mais c'est vrai. Tu vois, tu divises le prix du forfait, tu le divises par le nombre de kilomètres. En vrai, c'est le coût kilométrique, il est vraiment assez bas. Et tu peux te permettre de rouler sur des grosses machines comme ça qui sont tellement polyvalentes.
Donc tu as du confort aussi, parce qu'on n'a pas parlé, mais tu as vu la taille des selles? C'est les selles d'origine, non? Ouais, on dirait quasiment le fauteuil de chez ma grand-mère. Bah, tu vois. Parfait. Non, donc là, elle en EHPAD. Et en plus, elles sont chauffantes. C'est vrai? Ouais. Chauffantes, bien sûr. Ça, apprécierait vachement, je te le dis. Regarde, t'as même. Viens voir. De ce côté-là, t'as ton petit chauffage là qui est juste là. Donc tu vois, t'as pour madame, elle a sa commande ici ou pour monsieur derrière. Hein. Tu appuies là ou là et ça change le niveau de chauffage. T'as même une petite prise accessoire ici si tu veux alimenter quelque chose. Donc bien. Tu vois, voilà. Et même sous la selle, tu peux mettre ton téléphone par exemple. Alors je te montre. Ah ouais. Donc tu vois, t'as les câbles pour les selles chauffantes et même ici, du coup, t'as un compartiment. Bon là, on a les clés de la moto, mais tu peux mettre même ton téléphone à charger et t'as une prise USB d'origine. Et pour ceux qui me disent que ça sert à rien, effectivement, ça sert à rien d'avoir une prise USB là. T'as juste à connecter un câble derrière sur la meule. Et tu le sors. Et en fait, on te le sort, tu le remets sous le châssis de la moto et tu le ramènes au guidon. Si tu veux mettre ton GPS bah, sur ta barre ici, bah, comme n'importe quel mec qui fait du chemin ou qui veut faire du road trip. Et alors bon, attends, pour avoir moi une prise qui est extérieure, quand elle a pris la flotte, t'es bien content de l'avoir en fait à l'intérieur. C'est ça. Donc et là, de sortir un câble. Et au final, c'est ce que j'ai fait moi. Bah tu vois, donc c'est bien pensé. Après, nous, on le propose, nous, pour... bah, c'est plus simple pour tout le monde. Hein. Et je te montre quand même le système pour la selle, pour les petits comme moi. Ah bah, en même temps qu'on est dessus. Tu vois, regarde, c'est simple, hein, tu as juste à prendre la selle, tu tires dessus. Et ici, tu as deux barres métalliques ici que tu vois, tu manipules. Tu tires ici, pareil de l'autre côté. Tu tires là. Tu tires là, et là, tu as gagné 2 cm de hauteur de selle. Ah, de hauteur. Voilà, de hauteur. Là je remets en position haute. Voilà. D'accord. Donc là, tu as 895 mm. Mais ça, c'est pour les grands. C'est pour les grands. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a de plus en plus de grands, il y a de plus en plus de gens qui cherchent des motos qui sont assez hautes pour pas avoir les jambes trop pliées. Exactement, donc tu feras pas le crapaud. Ouais. Tu fais pas le crapaud au moins sur ce genre de moto, tu peux absolument. Avoir, tu peux tout avoir au moins. Bon, moi je fais le crapaud sur tout, mais bon, ça c'est une question de gabarit, tu vois. Voilà. C'est pas pareil. Pour le shifter, on l'a up and down, hein, bien sûr. Bien sûr. Bon, bah écoute, super. Écran TFT peut-être? Écran TFT? Allez. Bah tiens, bon, en déjà, plus, on peut l'allumer. C'est ça. Profitons-en. Donc là, tu appuies ici pour démarrer la meule. Et en fait, tout est sans fil. Donc tu n'as rien à faire. En fait, la clé, elle est soit dans ta poche, soit voilà, dans un endroit juste à côté de la moto. Tu démarres la meule et tu vois à chaque fois le nom de. Bah, tu peux personnaliser ton nom. Moi, j'ai mis Passion Rise comme d'hab, hein, mais voilà. Donc tu as un écran TFT qui fait 7 pouces. C'est assez grand quand même. Donc, t'as... Et surtout, tu as une dalle mate. En fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais en fait, quand tu as le soleil qui tape dessus, tu vois super bien. Bah, on s'en rend assez compte parce que j'ai aucun reflet. Donc, bah voilà, c'est pour ça que c'est vraiment là la vitre en fait elle est vraiment plaquée à l'écran et c'est, du coup t'as vraiment aucun reflet. Du coup après bah la trappe à carburant du coup tu vois avec, c'est directement sans fil, t'as juste à tirer dessus, donc t'es 30 litres de contenance ou 20 litres en fonction. C'est un système sans clé quoi. C'est ça, t'as KLS et bah pareil du coup, alors juste sauf pour la selle, du coup tu devras quand même sortir ta clé pour le coup, parce que t'as ta serrure ici. Pour éviter qu'on te la pique à l'arrêt. C'est ça. Et pour les valises, aussi, ce sera pas du KLS, mais t'auras besoin de ta clé pour ouvrir et fermer. Chose que tu sais très bien, tu n'aimes pas avoir une seule clé pour ouvrir toutes les clés de la moto. Ah, je déteste ça. Donc, Non, en fait, ce que j'aime pas, je vais te dire, c'est sur les valises, quand c'est la même clé que le Neyman, j'aime pas le fait de pas pouvoir, si tu veux, laisser les valises ouvertes. Oui. Par contre, le fait que ça soit la même clé pour tout, c'est top. Bah après, tu as plusieurs choses. Hein. Tu as les Komodo qui sont les mêmes qu'avant. Hein. On retrouve toujours la même ergonomie Triumph. Tu as un joystick de sélection pour naviguer dans les menus. Tu peux monter, descendre, aller à gauche, à droite ou appuyer dessus pour valider. Ensuite, tu as tes modes de conduite. Alors, je te les montre quand même. Ouais. Tu as plusieurs modes. C'est rétro-éclairé en plus. Tu as rétro-éclairé, ouais, en rouge. Donc, tu as un mode pluie, tu as un mode route. Alors, mode pluie, il va te limiter la moto à 100 chevaux. D'accord ? D'accord. Donc, c'est pour ceux qui sont un peu moins téméraires que les autres ou que tu roules vraiment avec la pluie. Ouais. Ici, tu as le mode route. Donc là, c'est mode traditionnel. Tu as ton mode sport quand tu veux envoyer un peu plus la purée. Ça, c'est... Voilà. Le mode off-road, ça te déconnecte partiellement l'antipatinage et l'ABS. Il est uniquement désactivé à l'arrière de la meule. Comme ça, tu peux quand même faire des entrées en courbe en freinant de l'arrière et ça pivote un peu le train arrière. D'accord. Ici, tu as le off-road pro, ça désactive tout par contre. Donc là, tu n'as plus rien. Donc c'est toi et la pompe Patwin par défaut. Donc là, c'est vraiment c'est à toi de gérer. C'est toi et ta chance. C'est toi et ta chance, voilà. Donc si tu veux te la coucher par terre, bah, tu peux y aller. C'est ça, voilà. Et le mode rider, bah, ça c'est pour ceux comme moi qui déconnectent le cerveau de temps en temps. Tu peux tout virer aussi. Du coup, tu peux te faire plaisir. Mais mode routier, du coup. Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau. Ouais. Bon, alors je sais que celle-là, elle n'est pas encore dispo à l'essai. Non, pas encore. Bon. Malheureusement, elle sera disponible, je pense, début avril. Avant que je reparte, est-ce que quand même tu veux bien m'en prêter une autre? Je veux bien t'en prêter une autre. Pas celle-là. Un Tiger, mais version sport cette fois-ci, mais en 660 cm3, donc ça c'est la nouveauté de cette année. Super, tu l'as pas en A2 non, par hasard? Si, je l'ai en A2, tu vois. Eh ben, je prends celle-là, tu vois. Et j'ai même la bagagerie en plus, tu vois, je vais tout te laisser, top caisse et valise, comme ça tu vas bien pouvoir t'amuser avec ta petite clé. Eh ben, c'est parfait, je te remercie beaucoup, Laurent. Bah, de rien, à plus. Eh, salut. Salut.